De la 6. Pour déguster une mousse de truffe saupoudrée de cacao en Seine-Saint-Denis, il n'y a qu'un seul endroit. L'Auberge des Saints-Pères à Aulnay-sous-Bois. C'est ici que Jean-Claude Cahagnet a ouvert son restaurant il y a 17 ans. Ce chef renonce alors au prestige de grands établissements pour mettre sa gastronomie dans les assiettes d'une clientèle plus large. La restauration que j'essaie de mettre en place, c'est une restauration gastronomique abordable. C'est le but, c'est la recherche en tout cas. Avec les menus que je pratique et les tarifs que je pratique, c'est un peu le but du jeu. Voilà. Ici, il a fallu assaisonner la grande cuisine avec un pouvoir d'achat modeste. Le menu est à 43 euros. Mi-palace, mi-bistrot, la cuisine de Jean-Claude Cahagnet a décroché une étoile au Michelin, la seule du département. On a une clientèle avertie, coutumière de la gastronomie, et on donne aussi une clientèle curieuse qui a envie de découvrir, mais qui n'a pas toujours une bonne culture culinaire. Pas bonne, qui n'a pas toujours une culture culinaire poussée. Donc il faut pallier un peu aux deux dans l'idée. Voilà, c'est un petit peu ça, quelquefois le hic, mais on joue de moins de provocations et après on arrive à un bon équilibre. Ce midi, le restaurant affiche complet, comme souvent. Le cuisinier réussit à surprendre les palais des habitués à chaque repas. Ses clients viennent toutes les semaines. Dans toute la Seine-Saint-Denis, il n'y a pas d'équivalent. On en a testé plus d'un. Tous les jeudis midi, on mange quelque chose de différent et c'est toujours délicieux. Le chef sort parfois de sa cuisine pour intervenir dans des écoles. Il espère transmettre sa passion de la cuisine aux enfants du département et le goût des bonnes choses.